trouver qui est la discipline. Attention, messieurs. Besoin d'un téléphone au Qatar. Il m'a mis à la tête. On a évité. À casse. Thank you.
Bandeko, bana bali botali ya Nzambe, boboto. Toi ebele na boyambi. Na boyambi, pwa ko ebisa tata Nzambe te. Ndeko abiso de fao, palo. O lingaki mi, atiki biso. To komona esusu te. Biso tolingito bosala ete. Yango mpe tolingito ebisa tata Nzambe. Ye mpe abosala ete. Soko azalaki na mbindo. Ayamba ye. Alimbisa ye mabe maye. Tayingisa ye. O ndako ya yo ya ye ya esengo. Na ntina wana. Bakambi bali ngomba ya biso bakonzi basengi losamboloi yangwana nkombo eklesia na koyebisa bango boyei molamu bango banso mpe Nzambe azwa lokumu nkombo ya bango mingimingi mpoa boyambi bwa bango. Je voudrais par là souhaiter la bienvenue aux responsables qui ont inscrit cette messe pour le repos de l'âme de notre frère Defao Palo. Que le Dieu de miséricorde montre sa miséricorde vis-à-vis de Defao, l'accueille dans son royaume et nous console pour que nous continuions les combats pour le bien-être du Congo, de tous les Congolais et de toutes les filles et les fils de Dieu. Nous commençons notre liturgie eucharistique en Congolais de Père, et à moi, et à mon santo. Amen. Bon conseil à Bandeko, nazaki na mboka moko ya mosika bakoyebisa ngai mabi teori ya 3B. Bato tozali na bango, bango nde bakoboma biso. Bato tokolia na bango, bango nde bakoboma biso. Bayi tokomele na bango, bango nde bakoboma biso. Boboto. Yango wana, yambo te tobonzela Nzambe libonzeli ye biso mpe ata na maloba, ata na misala, ata na kotikama ye tolingi tosala mpo na kokumisa Nzambe, ata na kotongo tobomaka baninga. Yango wana, tosenga bolimbisi. Nzambe alimbisa biso na mabe mabiso na masumu mabiso. Alimbisa pe mabe ya biso banso bakongole bayi tokokamba baninga. Nandimi te nasali mabe. Babokasi banso, omiso mabino bandeko, na sumuki mingi na makanisi, na maloba, na misala, pe na botiki masingisi ma ngai, solo nandimi te nasali mabe. Yango wana nakobondela ngondo mosantu Maria, banzelu na basantu biso, na mbino mpe bandeko, bosamu kosambela mokonzi. Nzambe wa bokasi bonso, ayokela biso mao, alimbisa masumu ma biso, akamba biso bomoi bwa lobiko. Oh,
kusambe na maramu e sibili tuki katela katikati polele bato bazalate o baiba kutambula kuingira pepo bima zela ezala polele boboto boboto mato koiko lobadeko tosambe na mukuzi. Nzambe tupesa mokongo na altar te tutika pe koleka liboso litangi ya yango liloba ya nzambe lokola likomami obuku ya ebandela sima ya makambo mana nzambe alingi komeka Abraham abengi ye Abraham 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 andimi ngai oyo nzambe alobi na ye kamata mwana wa yoa bolingo oyo obotaki se ye moko Isaac pe kende omokili mwa moria bonzela ngai mwana na moto ongomba ena na kolakisa yo Abraham alongwi na ntongo sa asi biloko likolo ya mpunda akamati basaleli babale na mwana wa ye Isaac akati nkoni mpo ya libonza mpe asimbi nzela akei mwe esika nzambe alobaki mokolo mwa misato Abraham atomboli miso amoni ngomba kuna mosika Abraham alobi na basaleli na ye bino botikala awa na mpunda biso na mwana tokokende te kuna tokokumisa nzambe na nsima tokozonga epai ya bino Abraham akamati komi ya libonza mpe apesi Isaac amene yango ye moko akamati moto na mbeli Isaac alobi na tata wa ye Abraham yete tata tata azongisi ngai oyo mwana alobi lisusu moto na nkoni ezali kasi wapi mwana mpata mpo ya libonza Abraham azongisi mwana nzambe yeme ya kopesa biso mwana mpata mpo ya libonza mpe batamboli bango babale onzela ekomi bango esika nzambe alakisaki Abraham atongi altar mpe abongisi nkoni likolo na nsima akamati singa mpe akangi mwana wa ye Isaac mpe atiye o altar likolo ya nkoni Abraham asimbi mbeli mpe atomboli loboko mpo ya koboma mwana wa ye kasi uto likolo anzelu wa nzambe abyangi ye mpe alobi Abraham 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 andimi
ngai oyo anzelu alobi na ye tika naino osala mwana mabe te sika wana yebi te obangi nzambe mpe opimeli ye mwana wa yo se moko te abraham atomboli miso mpe amoni mpata mobali ekangemi maseke okati ya nzube akangi mpata mpe atumbi yango libonza oyesika ya mwana wa ye abraham abiangi esika yango nzambe akopesa yango wana balobaka te moi mwalelo ongomba nzambe akopesaka uto likolo nzambe abiangi lisusu abraham mpe alobi yoka liloba ya nzambe nakolaya ndayi onkombo ya ngai moko awa osali bongo mpe opimeli ngai mwana se moko wa yo te ngai nakokabela yo makabo ndenge na ndenge nakopesa bana bazala ebele lokola minzoto mia likolo mpe lokola zelo olibongo lya mbu bato babikolo biso bakomona bolamu mpo ya libota lya yo zambi yo otosi monoko mwa ngai abraham azongi epai ya bana baye bakei bersabe mpe abraham afandi na bersabe bandeko liloba lya nzambe wana
Seigneur soit avec vous. Chapitre 9, les 8 premiers versets. Vous pouvez vous asseoir. Jésus a pris des soussous au bois d'eau. A Katissi Maï, Péaï, Ombokayaï, Talaboui, Péaï, Motomoko akukana makolo alali ombeto. Yezu amboni boyambi wa bango abina motabukana makolo kikisa motema mwana masumu mayo mani mani masusu okati ya bateli ba mombeko babina nsia motema moto akokuka nzambe. Kasi Yesu ayebaki makanisi mabango abi, mpo nini ozali kokanisa mabe o mitema? Nini eleki mpasi koba masumu mayo malimba mito koloba telele mpe tambola bango mpo boyeba te mwana wa moto azali na nguya kolimbisa masumu awa onse sikawala nabi na moto abukana makolo kamata mbeto ya yo mpe zonga mboka. Moto wana atelemi solo mpe akei mboka. Awa bato bamoni bango babangi mingi mpenza bakumisi nzambe mpo apesi bato nguya enene boye. So jembo kitoko e manila ya losambolo ye la misa zaye. Chers frères et sœurs, comme Abraham est parti
sur le mont où Dieu pourvoira, pour adorer Dieu, lui offrir un sacrifice sanglant. Nous voici en ce soir, montés au mont de la paroisse Saint-Augustin, pour offrir à Dieu un sacrifice agréable pour le repos de l'âme de notre frère de Fao Palopou. Et la liturgie de la parole va nous aider à méditer grâce à ces deux textes tirés dans la première lecture du livre de la Genèse, au 22e chapitre, les 19 premiers versets. Et le psaume responsorial nous a amené dans le psaume 22. L'évangile, quant à lui, c'est celui de Saint Matthieu, au chapitre 9, les 8 premiers versets. Je disais, nous sommes venus en homme et en femme de foi, pleurer notre frère de Fao Palopou, décédé à Goma après qu'il soit atteint d'une balle lors de la manifestation du 30 juin, organisée par les responsables politiques des décidés. Nous venons implorer la miséricorde de Dieu sur l'âme du vaillant disparu, d'une part, et d'autre part, confier le Congo à Dieu, pour mieux dire, confier la famille biologique du défunt et la famille politique du défunt à Dieu et demander la grâce d'un Congo nouveau. Un Congo où la vie doit être considérée comme sacrée et respectée. Avec ces deux lectures, que pouvons-nous retenir et expliciter? D'abord, sur les textes de la Genèse. Justement, c'est le récit d'Isaac, du sacrifice d'Isaac. De prime abord, ce récit peut nous heurter, peut nous choquer. Comment est-ce que Dieu qui est amour, qui est bon, peut-il demander à un père de famille de lui offrir en sacrifice d'immoler son propre fils? Comment Dieu a-t-il demandé à Abraham d'immoler son propre fils Isaac? Voilà ce qui peut nous heurter, ce qui peut nous choquer. Ainsi, pour bien comprendre ce texte et le méditer, il convient de faire une double lecture et comprendre l'arrière-fond culturel de ce pays de la Bible. À un premier niveau, ce texte nous révèle une culture baignée dans les sacrifices pour leur divinité. Ainsi pouvons-nous lire dans le texte une condamnation formelle prononcée par Yahvé Dieu sur les sacrifices humains. Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas qu'à l'époque où ce texte a été rédigé, le sacrifice d'enfants cananéens était couramment pratiqué par les cananéens. Ainsi, de nombreux Israélites étaient tentés de croire en voyant de tels exemples que cela plaisait à Dieu, il fallait faire autant. C'est pourquoi les prophètes ont dû lutter contre ce type de sacrifice.
Vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 19, vous verrez comment le prophète lutte contre ce sacrifice. C'est pourquoi dans ce récit qui nous concerne, du sacrifice d'Isaac, dans un premier temps, Abraham, pour une volonté, prend pour une volonté de Dieu l'immolation d'Isaac. Il considère ça comme la volonté de Dieu, comme Dieu lui a demandé, prends ton fils, va me l'offrir en sacrifice. Et pourtant, c'est Dieu qui lui avait dit, tu serais père d'une multitude. Mais en homme de foi, Abraham se dit, Dieu ne trompe pas, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas non plus nous tromper. Il prend son fils. Mais à la fin du récit, nous avons entendu ce qui est arrivé, il y avait Dieu intervient de façon catégorique pour arrêter Abraham de connaître l'irréparable. Corollairement à cette première vérité historique, ce texte, dans la première lecture, justifie également les rituels du rachat de premier-né. Car dans la tradition de la Bible, les prémices, les premiers fruits de toute production humaine appartiennent à Dieu. Mais à l'inverse, les premiers-nés des animaux qui sont immolés pour Dieu. Mais ceux de l'homme, les premiers-nés de l'homme, sont rachetés. Vous pouvez le découvrir dans le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 13. Ça peut être ce que j'ai dit au début, une première lecture de ce texte du sacrifice d'Abraham. Quelle serait alors la deuxième lecture? Deuxième interprétation, compréhension. Ce texte de la Genèse nous invite en effet à voir plus loin et plus haut l'exemple d'une foi sans faille de notre Père Abraham. Dieu met Abraham à l'épreuve. Dieu avait l'habitude de mettre à l'épreuve ses amis pour que la foi grandisse. Ainsi, aujourd'hui, Dieu nous a mis à l'épreuve en nous retirant des femmes dans les circonstances que nous connaissons. Ainsi, Dieu se réserve ses dons les plus grands à ceux qui lui resteront fidèles, alors que tout espoir semble perdre. Abraham a reçu des bénédictions parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Même lorsqu'il a demandé de lui offrir son fils en sacrifice. Est-ce que nous serons capables d'arracher auprès de Dieu ces bénédictions parce que nous lui serons fidèles lorsqu'on aura à nous torturer, à nous tuer, à nous malmener? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, pendant toute la vie d'Abraham, il n'a compté que sur les promesses de Dieu, et surtout les promesses de Dieu pour son fils. Mais il était prêt à sacrifier les promesses de Dieu avec son fils. C'est ça le cadeau. Mais après le cœur, Abraham a su qu'il aime son fils de la même façon que Dieu l'aime. De la même façon que Dieu veut, puisqu'il a choisi avant son fils, il avait choisi Dieu. Donc l'obéissance d'Abraham, non stimée dans le moment où Dieu semble vouloir détruire ce que nous avons construit avec lui et pour lui. Chers frères, chers sœurs, dans le Christ de Jésus.
La tradition chrétienne a vu toujours dans cette scène d'Abraham immolant son fils pour mieux le retrouver comme l'unique sacrifice de Jésus-Christ que les savants appellent Ephanas. L'annonce du Dieu, du don de Dieu, le Père, nous sera faite par le sacrifice de son propre Fils, Jésus-Christ. Dieu a sacrifié Jésus-Christ, en effet, pour sauver les pécheurs, pour nous sauver. C'est ça l'oubli profond de notre bête, de notre présence. Sacrifier Jésus-Christ pour que Dieu accepte l'âme de notre frère des femmes. L'Iposania Missa, pour Yaripiti et des femmes, pour le salut du Congo, pour le salut des responsables politiques et puis d'amour du peuple de Dieu, et cela sans hypocrisie. Comme Dieu avait refusé le sacrifice humain, Dieu a remplacé ce sacrifice par l'unique sacrifice de son Fils, l'Eucharistie, la messe. Et le miracle de la croix se réalise à chaque fois que nous nous réunissons pour perpétuer le sacrifice de Jésus-Christ. Lui-même nous a demandé, par l'ordre de réitération, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour cela, comme Abraham, nous pouvons être bénis par Yahvé Dieu, Père de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, d'après cet évangile de Matthieu, dans ses chapitre 9, dans ses premiers 8 versets, que pouvons-nous retenir? Nous sommes venus comme ces gens, portant un paralytique sur une civière, plein de foi, afin que Dieu le relève, l'affermisse. Aujourd'hui, ce paralytique est symbolisé par l'âme de notre Père des Femmes, par tous ces Congolais qui meurent par l'AVC à cause de la situation politique, qui meurent de faim, des crises de tous genres, qui souffrent de l'oppression, toute la famille biologique des femmes, toute la famille politique des femmes, afin que le Seigneur opère une guérison, afin que le Seigneur nous relève les Congos, ressuscite les Congos qui semblent être comme un paralysé sur tous les aspects de notre existence, sociopolitique, économique, et que Dieu nous redonne la dignité des filles et des fils de Dieu, car nous sommes une opus Dei, une œuvre de Dieu. Nous avons été créés à son image, et pourquoi la vie est sacrée? Est-ce que nous respectons la sacralité de la vie? Et d'ailleurs, c'est sur base de cette sacralité que la Déclaration universelle des droits de l'homme a considéré la vie comme sacrée. Même les décalons nous parlent, comme j'ai appris dans un pays de mission, ne tue pas, koboma motote, ou hondiko. Et Jésus veut nous dire, pour que nous ne soyons pas des tueurs de nos frères, de nos sœurs, pour que nous soyons capables de redresser Congo, de relever Congo, deux paroles de réconfort. Il dit aux paralysés, courage mon gars, tes péchés sont partis. Les gens commencent à murmurer. Mais qui est celui-là qui pardonne les péchés? Ce n'est pas les prérogatives de Dieu seul. Et lui, cet homme, ce jeune homme, qui est-il pour pardonner les péchés?
et de décréter, le Seigneur dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, dit Jésus au paralytique, je te l'ordonne, jeune homme, lève-toi et marche, prends ta civière et rentre chez toi. On a chanté irrémédiable. Certains de nos responsables politiques ont prononcé ces paroles dans d'autres circonstances avec la même variante. Et ce verbe grec est utilisé ici, lève-toi, veut dire, c'est ce que quelqu'un était mort, et il est, ressuscite-toi. Nous pouvons dire aujourd'hui pour les Congos, et il est, ressuscite-toi Congo, ressuscite-toi les Congolais. Qui tue les Congolais, c'est le Congolais. Qui nous tue, c'est nous-mêmes. Voilà ma théorie de tout à l'heure, ce que j'ai appris chez la sagesse, d'ailleurs, la théorie des 3B. Batu Kala et Bao, Batu Dia et Bao, Batu Noa et Bao, Bao Batu Honda. Attention, chers frères et sœurs, on ne tue pas seulement avec l'art, mais par la parole. Est-ce que moi, je n'ai pas tué mon frère, ma sœur, par une parole qui l'a blessé jusqu'à l'amener à une crise? L'homme est fragile, l'homme est comme une fleur qui s'éclore le matin et le soir fanée, desséchée, et la fleur est morte. Si nous regardons les autres, si nous accusons les autres de nous tuer, nous devons être capables, quelles que soient les circonstances, de ne pas nous verser dans la même logique que nous condamnons de tuer les autres. Là, nous restons fidèles au Dieu d'Abraham. Là, le Seigneur va nous écouter et ressusciter l'âme de notre frère, ressusciter le Congo, mettre le Congo sur le chemin du bien-être et de la dignité des filles et des fils. Ce qui nous reste, chers frères et sœurs, c'est de prier. Quand les mots nous manquent, quand les larmes nous manquent, il faut balbutier quelque chose. Les responsables politiques qui nous ont demandé de prier, ce sont des hommes pleins de foi. Ce sont des femmes pleines de foi, que Dieu les bénisse, qui leur donne au centuple, et qui nous aide à suivre leur foi. Priez pour que leur foi ne défaille pas, qu'ils continuent à combattre, et Dieu exaucera leur travail. Amen. Un ancien disait, le bien, il faut le faire. Le bien, il faut le faire, quoi que cela vous le coûte. Il faut continuer à le faire. Pour tout dire, je m'arrête là. Retenons deux choses, mais avec quelques petits points. Première chose, que la vie est sacrée, il faut la saisir. Il faut la donner, il faut la partager, il faut la protéger. C'est la base de toutes les lois. Respectons la vie de nos frères et sœurs. C'est le décalogue, le cinquième commandement. Koboma motote. Nous devons retenir que Dieu ne veut pas les sacrifices humains. Ça ne sert pas de tuer nos frères et sœurs
quelles que soient les pratiques, pour dire nous aurons le bonheur, nous allons nous enrichir, nous serons mieux. Dieu n'exauce pas ce genre de choses. Voilà, Abraham voulait sacrifier Isaac. Dieu a refusé. Ce sont des sacrifices caduques, anciens. Il faut abandonner cela. Même nos pratiques de sorcellerie, nos pratiques qui poussent les autres à se suicider. Troisièmement, l'unique sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu, que Dieu nous recommande, c'est celui de son Fils. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ce qui nous a réunis ici, la messe. Égorgeons Jésus-Christ, offrons à Dieu le sacrifice agréable de son Fils par la messe pour la rémission de nos péchés et pour que ce soit gage de notre délivrance, de notre résurrection. L'homme, retenons, enfin, l'homme est créé à l'image de Dieu. Qui reçoit l'homme, reçoit Dieu. Qui respecte l'homme, respecte Dieu. Ce pouvoir, il y a une parole qui m'a choqué dans ma méditation. Je suis resté longtemps à dire, l'écrivain sacré dit, « Babangi mingi mpeza, bakumisi nzambe, oyo apesi batongouya et nene boye. » Dieu a donné le pouvoir aux humains, l'autorité aux humains. Quel est ce pouvoir? Quelle est cette autorité? C'est de transformer ce qu'il a commencé, la création continue. C'est de ressusciter les morts. C'est de guérir les malades. C'est d'être des lieutenants de Jésus-Christ. Et de cette façon, Jésus sera connu, aimé, loué et adoré. Loué soit Jésus-Christ. Nzambe akosepela kamingi tango tokotungisa matoi maye totelemi bandeko tobondela solo mokonzi nzambe teandima molimo wandeko abiso abondo biso na pasi kili tozaila yango apesa biso mpiko ya kokoba etumba Nani tokolonga tosa Babiso bazali na mpasi bayebate soko bandimi koyoka mpasi elongo na Kristo nde basekwi mpe elongo na ye oyo banso bakotika nse eyelelo bakanga motema mpo bakweya o mitambo mya monguna te kasi bakoka koyingela lopango la tata tosambela
biso banso to sangani awa liwa liandeko wa biso defa opaluku like bisa biso pote to bongisa bomoi wa biso mokolo na mokolo to sambela. Et mon conseil,
Tala mosheki loyo, ifao paruku, ikwabiso na biso maulu. Toko ponze layo, ibonza yamisa, oya ye, pesa ibomoi, pesa goya seko, toko ponze la bomo, kwa Kristo la mebo ponzo abiso, obi le konbiso seko. Amen. Thank you.
episcopo Akisho Fidore Ambu, episcopo Mosari Siwayewa, Manabayo Masangani Ambapo Bumila Losambu Anisae, Nampe Baka Kachambe Banso. Cristo,
Oh,
Nabi tourné bon de l'arbre. T'es là sur la carte corona. Non, là c'est interdit. Tournez bien. S'il vous plaît. Non, t'as bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au coupé, Missa, Marco Marelli, Namossa. Au coso, Missa, Boboï, Nabaye Marouf. Au Samaro, Béni, Pabiso, Tefa, au Béni, Pabiso. E mon così chiamassamo la mangia a visto poi a mostrare di Mario e fare un po' so qua è più carina io non l'ho venuto chiamate ma siete lì mi sei poi a un lievo e mi sei un bucaio troppo voglio la mano Quando saremo con i sassi, o diremo con i sassi, o diremo con i sassi. Je voudrais en terminant cette Eucharistie remercier tout le monde, surtout ceux qui ont participé pieusement. Merci. Pour nous autres, qui ont été attirés par les masses médias, parfois restés distraits, nous devons faire un effort d'adorer, adorer en esprit et en vérité. Et à la famille politique du président Martin, nous exprimons nos sincères condoléances et surtout à la famille du vaillant disparu. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ lui accorde la vie, la vie, la vie. Et à nous qui continuons à combattre, combattons pour protéger la vie, pour protéger le Congo, ses ressources. Non seulement ressources naturelles, mais toute la population. Que la dignité des filles et des fils de Dieu que nous sommes, des Congolais, nous soit redonnée. Oh, my feeling.
ça va. Ça va, 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 ça va,
On a 6 non, hein? Oh, ok. Somona, donc merci Sylvie, les gens qui accompagnent le président en sortie. Thank you.
Message est commis. Thank you.
continuer là-bas. Après Metz, président Zozon, Abino Zomona. Je vais vous accompagner à la président. Bravo. Binomo Bozomona, Nenge Toto soit président, Toso Kene Bozom Sahel, Bibi Kézo réclamé la présidente tout moment à tout instant. Donc, Tosana Nakota Lemba, Toso continue. Merci l'équipe bien. Sangwate Imalamu. Voilà. Tosana Nouana. Le monde est toujours là. Président toujours dans la voiture. La population qui est toujours là pour envoyer ma président. Namutu Kaliboso Yewana Yami Baleza premier musique. L'ambiance est continuée caca.
Voilà, dernier public, et sur le camion président. Voilà. Je mon amour, je suis là. Je l'ai quand même. Amour, je suis pas possible. Donc, je vais continuer direct dans tout ça. Malin, mais je suis bien. La maman va se télé, va se télé, va se yemba. Wow. Voilà, on est là, ça continue. Azo bi ma malembe, toujours continuer live, Nabiso. Laissez entendre. Il est là. Voilà. La population qui avance de plus en plus vers le président. Le population est appelée le président. Parce que nous avons un peu. Mais vous connaissez la magie du président. Ce qui a bimika kambalama. Il est là, autorité. Nous avançons. Lentement, facilement. Nous avançons en plein embouteillage. Public, ils ont continué à réclamer le président Kita. Bino Moko Bosomona. Mais moi qui t'es zaté, il est toujours dans sa voiture. Voilà. Voilà. Botala, Bino Moko. Bosomona. Nengenzele Kangami. Nenge Falo Kanginzela. Zele Kangami. Botala va recevoir la bataille. Voyez ça. Thank you.
laisse en fond.
enfants dans ses œuvres. C'est le plus important.
c'est retable. Wow. Les amis, le service de sécurité va alerter. Qui a ça? Aza pointi,
Il est terrible à bord. Et à côté, il est calme. Le bleu qui est vivant à la terre. Le bleu est devenu en tête. C'est des choix. Sali na vinyo landa bo. Te vio za lana ye, sali na mpi pa mo landa bo. Na landa na ki mamba. Eh na yomo. Le père. Na za ota la mangam na maonyo so, na la dika jiko na opie, ni na bemba. Si ya ja bemba. Ko kero sali. Ona. Ha? Ona. Thank you.
Thank you.
du tout. Thank you.
beaucoup de monde. Il doit continuer à faire son bain de foule. Thank you.
Avec la gueule. Ça, c'est la photo de vous. Yo. Oh. Finalement,